sauce à part, suivent un magret rosé et un poisson sauce à part. Le guide Michelin, la référence en matière gastronomique. Trois chefs vendéens y ont conservé cette année encore leur étoile. L'étoile, il faut être honnête, c'est un couronnement au niveau de la profession. Le Michelin est la Bible. C'est quelque chose de... C'est vrai que nous, quand on a eu notre première étoile, on avait moins de 30 ans. Ben, c'était pour nous, c'était énorme. Bon, c'est-à-dire que quand on a travaillé dans des maisons étoilées, on y va pour ça. On y va parce qu'il y a une étoile, parce qu'il y a toutes ces choses-là, il y a ce prestige, il y a toutes ces belles maisons. Et quand on revient en arrière, on se dit, ben, nous aussi, on en a une, nous aussi, on en a une. Et c'est vrai que c'est génial. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas, pour nous, personnellement, c'est pas une ambition en soi. C'est toujours travailler, essayer de donner toujours le meilleur de soi-même. C'est une finalité, parce qu'avec Raphaël, on essayait d'avoir une étoile, et puis on l'a eue, et puis on va essayer de continuer, que ça se passe très bien comme ça. Pour moi, un petit peu plus de stress, mais bon, les clients sont là, ils sont contents, et on essaie de pas trop y penser. Pour l'instant, c'est la maintenir. Le challenge, c'était de prendre une étoile rapidement. Donc c'est ce qu'on a fait au bout d'une année. L'objectif, c'est d'aller plus loin. Et surtout aussi pour la région, parce que la région n'a jamais connu une deuxième étoile au Michelin. Donc ce sera moi ou un autre, mais en tout cas, nous, on s'efforce de travailler pour. Beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Au début, c'était beaucoup de stress, mais il faut prendre du recul et puis essayer que ça se passe bien. Et pour l'instant, ça se passe bien. On parle beaucoup du Michelin, on parle beaucoup des étoiles, de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous, avant, c'est imaginer qu'il y a un point de chute ici. Que les gens, quand ils ouvrent une carte, ils vont dire « Ah, là, il y a une maison qui bouge, il y a une ébullition. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, faut aller voir. » Il faut qu'on ait vraiment notre personnalité. Maintenant, c'est pour faire... Quand je parle de ma cuisine, je pense que c'est justement la décoration de la salle. Il faut qu'on ait une décoration qui nous appartienne, qui nous personnalise. C'est-à-dire qu'il y ait la même identité que nos assiettes. Il faut que tout soit en osmose. Deux marinés végétales, une sardine, un coquillage, une lotte, une fraise s'il vous plaît. Ça sort tout de suite. Trois chefs qui ont chacun leur identité et leur façon de faire. Mais être le chef et gérer sa cuisine, ce sont des responsabilités aussi bien envers son équipe qu'envers le client. On est les premiers à donner un effort supplémentaire tous les jours dans l'effort, et puis d'avoir ce petit côté stress un petit peu aussi, ça s'efforce aussi d'être attentif. Le plus naturel possible, pas essayer de faire des coups d'éclat, un coup en cuisine, des choses bien, des choses pas bien, être assez régulier en fait, avec des bonnes idées, des bonnes recettes, et de la couleur dans les assiettes. Garder des équipes, faire avancer tous les jeunes qui sont avec nous, on a quand même des jeunes d'une moyenne d'âge d'une trentaine d'années, et tous ces gens-là, faut les faire avancer, faut qu'ils vivent l'aventure avec nous. L'intérêt, quand je disais d'avoir une équipe, c'est d'aujourd'hui que chacun soit à sa place, qu'on passe devant, quoi, que je puisse avoir un œil sur toutes les assiettes. Hein. Moi, je suis sûr de ce que j'ai envoyé. Hein. Et puis surtout être prêt à l'écoute du client aussi, savoir combien de ressenti l'assiette. Parce que on n'a pas toujours forcément raison. Et le dialogue du client est important aussi. Est-ce qu'on se remet des fois en question aussi sur des approches où on n'a pas forcément raison, hein. Alors c'est vrai que c'est dur, parce qu'il faut être toujours dans le starting block, il faut toujours être carré, hormis qu'on propose une cuisine de liberté, de choses comme ça, avec des produits, il faut quand même que le client aujourd'hui, quand il va venir s'asseoir, pousser notre porte, il faut que ça soit au top, il faut qu'on lui donne du bonheur, avec les moyens qu'on a sous la main. Attention vraiment à toutes les remarques de chaque client, j'écoute, je suis vraiment à l'écoute de tous les clients, je regarde dans toutes les assiettes s'ils reviennent, s'ils n'ont pas mangé, je cherche le pourquoi du comment, pourquoi ils n'ont pas mangé ça, peut-être ça améliorer, donc vraiment c'est une mise en question... Le métier est le même, mais la perception de la cuisine est différente et chaque chef a sa personnalité qui se reflète jusque dans l'assiette. Un boucoulis, des pluches. T'as mis au micro-ondes tes pluches ? Maxime, c'est bon toi ? Guacamole. Guacamole, ouais. Caviar, t'as ce qu'il faut en place ? Ouais. La pâte à beignet, tu l'as faite ? Bien, allez, Antoine, tu me fais deux petites tempuras de une. T'en fais trois au total. Pareil à tempura à udonné. Pareil à tempura à udonné à... Elle est à l'essentiel, elle est vraiment au produit. Quoi. Le produit pour le produit. Après le reste autour, ça ne m'intéresse pas de mettre 36 garnitures autour ou 10 épices ou 15 épices. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vraiment la valeur du produit dans l'assiette. Hein. Ça, c'est primordial.
Et puis après, bon, l'association qui soit originale, la petite différence avec justement l'épice qui vient justement contrer un petit peu soit la douceur d'un produit, l'acidité. Voilà, c'est comme ça que le contraste du différents produits. Donc pour ça qu'il faut vraiment un travail de dégustation. Hein. Si on ne goûte pas, on ne peut pas savoir. C'est pas possible. Il faut goûter. Hein. Et quand je dis goûter, c'est pas goûter un élément séparé dans l'assiette, c'est goûter l'ensemble de l'assiette. Donc c'est ce soir, prendre un moment, il a défini. Bon, on cherche vraiment à perfectionner nos assiettes, on rentre dans le détail. Pour moi, si on met une plus de surface dans l'assiette, lieu d'avoir un fruit de fraîcheur, si on voit la voix flétrie ou fanée, pour moi, c'est pas beau. Hein. Rentrer dans le détail, dans la perfection, dans le détail, dans le volume, dans les textures, tout ça, c'est important. Hein. Si on a du plaisir en cuisine et du plaisir en salle, on a tout gagné. Hein. Que ça tape à l'œil et que les gens ont un petit flash, ils disent quand ils regardent l'assiette, waouh, c'est joli. Tout est bien organisé, bien carré, et moi j'aime bien que ça se passe comme ça. On fait rester sur deux ou trois éléments dans la recette et vraiment pas avoir trop de mélange de saveurs dans l'assiette. Avec de la couleur, on essaye de jouer sur les couleurs. Là, on est au printemps, il y a beaucoup de couleurs que ce soit le rouge pour la fraise, des nouvelles carottes qui sont oranges, des petits pois qui sont verts. Donc, c'est vraiment des belles couleurs qui se remarquent dans l'assiette. On peut se promener. Moi, je regarde beaucoup sur Internet des idées de nouveaux produits. Je lis beaucoup de livres de cuisine. C'est vraiment se remettre en question assez souvent et réfléchir, réessayer, faire goûter au niveau des plats. Quoi. Pour moi, c'est vraiment beaucoup d'essais avant de finaliser l'assiette avec la salle, la cuisine. On se réunit, on goûte, on donne chacun notre avis en fait, sur la recette, ce qu'on peut améliorer pour vraiment sortir, le jour où le plat sort à la carte, vraiment sortir quelque chose de très bien. Pour avancer, toujours s'améliorer. On a vraiment, même à 60 ans, je pense qu'en cuisine, on peut toujours apprendre. Et puis, voilà. Comme ça, tu vois. Histoire que la carotte elle soit coincée et que Saint-Pierre y monte en volume. On achemine vers là. Ça, c'est notre travail. C'est notre travail indispensable, c'est la planche et le couteau. À partir de là. Et après, dès qu'on est dans le feu de l'action, on se tourne. C'est-à-dire que là, et là, on commence à cuisiner. On cuit, et là, on avance. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Là, on dresse. Et après, l'assiette, elle avance encore là-bas. Et elle arrive en salle. On s'extasie devant, quand c'est l'automne, devant un cèpe, devant une belle langoustine, devant une belle sardine. Des fois, j'arrive le matin et puis je dis « Ah, regarde ce que j'ai trouvé à crier !» Et pour certains, ça paraît... Il n'y a rien d'insignifiant, mais pour nous, c'est énorme. On va partir sur un navet et on dit « Tiens, ben, on aimerait bien faire des navets. » Et quand je vois les navets, ils sont tellement jolis que je me dis « Ben non, c'est dommage de... » Ils sont goûteux, crus comme ça, c'est dommage de les cuire, par exemple. Alors, on arrive ici et on avait prévu de les cuire. Alors, on se dit « Ben, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors là, on met quelques gouttes de huile de cacahuètes grillées, on met une râpée de citron vert. Et puis là, on se dit, si on fait ce produit-là 10 minutes avant, c'est pas bon. Mais par contre, si on imagine de réaliser un poisson, par exemple, et au moment où on est prêt à envoyer, là, on met 3 gouttes de jus de citron, un peu d'huile, sel, poivre, fleur de sel, quelques fleurs du jardin, et là, on vient les poser. On a tous ces côtés grillés, acides et du légume croquant. Et là, je me dis, ben, on n'a pas besoin de faire des choses... C'est-à-dire que c'est le moment, c'est l'instinct, c'est travailler le produit... La meilleure saison, le meilleur produit. Des fois, on va faire des plats qu'on va réfléchir pendant 3 mois ou avec des complications, avec des choses comme ça. Pour nous, ça aboutit pas. C'est faire une cuisine de terrain, progressive. Pâte de fruits à la betterave et tuile au poivre de Sichuan, s'il vous plaît. Oui, chef. À chacun son style pour des cuisines et des recettes pleines de découvertes. Que l'on recherche l'authenticité, la beauté ou l'originalité, il n'y a plus qu'à déguster à la belle étoile. Yannick, tu prévois un joli coulis de basilic ? Plat de service ? Sulfu, tu mets au congé.